Hey, c'est bon, c'est Wilton, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes très très bien, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale, parce que c'est une vidéo, je pense que certains attendaient un bon retour sur votre Call of Duty préféré. En plus c'est un retour spécial Halloween, sur map transit de aucun autre Call of Duty que Call of Duty Black Ops 2. Et voilà, on est parti sur Green Run Transit. Aïe aïe aïe, j'en ai des petits frissons rien qu'à l'idée de repenser à jouer à cette map, étant donné que cette map elle m'a tellement marqué. Et voilà, après avoir fait Apex Legends spécial Halloween, après avoir fait Fortnite spécial Halloween, on est sur Call of Duty Black Ops 2, deux mois presque que je n'avais pas fait de vidéo. La dernière vidéo sur Black Ops 2 était de la nostalgie sur Black Ops 2 qui remonte au 10 septembre. Je me suis dit, vous savez quoi, j'ai envie d'aller sur la map, on va dire, principale de Black Ops 2 Zombie qui est pour moi Transit. Hein. C'était un peu la révolution en termes de map du zombie de Call of Duty, étant donné que voilà, on avait eu des maps pas aussi grandes que ce soit sur Black Ops 1 ou World at War. Du coup, voilà, même si la map aujourd'hui, franchement, elle est assez détestée, moi, le fait de jouer à cette map, ça me fait quand même un petit truc parce que voilà, j'ai quand même passé énormément de temps à la sortie de Black Ops 2, c'était incroyable. C'était entre guillemets une révolution. Et en plus je me suis dit, on arrive en période d'Halloween, allez Wilter, fais une petite vidéo sur Black Ops 2 Zombie. Bon, comptez pas sur moi pour faire 20 millions de manches, étant donné que voilà, le zombie, ben, la dernière fois que j'ai dû jouer au zombie de Black Ops 2, ça remonte quand même il y a plusieurs mois, dont deux bons gros mois. Et du coup je me suis dit, bon, on va quand même faire une vidéo. Ouais, on est dans la période d'Halloween. Halloween c'est un peu horreur, les zombies c'est un peu de l'horreur et tout ça. Et voilà, le fameux bus, le bus qui a rendu fou mais tellement de personnes. Oh, une pièce, c'est quoi, attends. Ah non, merde, c'est pour ouvrir le bus, je suis con. Mais si vous êtes des gens assez nostalgiques, on va dire, de cette époque de Black Ops 2, tout ça, et que vous voulez un peu plus de vidéos sur les anciens Call of Duty comme Black Ops 2, Black Ops 5, Modern Warfare 3, j'ai une petite série qui se prépare, qui arrivera normalement en 2020. En rapport avec ça, je vous donne pas plus d'infos, vous le verrez par vous-même, et je pense que vous allez kiffer. Donc rendez-vous en 2020, je pense, c'est le début d'année. Je suis en train déjà de commencer à faire un petit design, tout ça, à faire quelques petits trucs en scred, et vous allez voir que ça va être du lourd. Et vous aurez aussi pour les 7 ans. Oula, putain, j'ai failli me tromper. Pour les 7 ans de Black Ops 2, il y aura sûrement un autour tout ça, histoire de entre guillemets fêter ça. Bon, est-ce qu'elle est là la pièce? Elle a pas l'air d'y être. Bon, c'est la pièce pour l'arme spéciale là, qui est le jet gun. Ah ben non, ça c'est un plot. Merde, faux espoir. Reviens là toi et fiou. Et voilà, on arrive sur le petit diner qui d'ailleurs, non, putain, je crois qu'elle est disponible sur une map de Black Ops 4 là, une map multijoueur. Je sais plus comment, je sais qu'elle est disponible sur Black Ops 4, mais je sais plus comment, je ne sais plus de quelle manière, mais je sais qu'elle y est. Allez, on va faire la première boîte. Allez, là, j'ai le pistolet laser marque 2. Allez, hop. Wow, je vais pas dire que je suis content, mais je le suis pas forcément non plus. Je suis pas forcément déçu ni content, on va dire. Je suis neutre. Allez, comme les snipers en mode zombie, c'est très peu utile. On va refaire une boîte et on va débloquer le pistolet laser. Là. Oh, mais nique ta mère en fait. Non, mais clairement, catapulte tes morts en fait. Ah là, putain, le DSR-50. Mais je t'aime tellement, t'es tellement mon sniper préféré. Peut-être pas de tous les Call of Duty, de Black Ops 2, c'est sûr, t'es mon sniper préféré. Et puis, ouais, peut-être même de tous les Call of Duty. Enfin, ce sniper, je le trouve incroyable. Que ce soit au niveau du design, au niveau des dégâts et compagnie. Enfin, voilà, je le trouve incroyable. Même au niveau de la maniabilité. Oh, mais oh, je sais pas, genre, j'ai toujours kiffé ce putain de DSR. Ah, surtout avant le patch. Surtout avant le patch. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, genre, ça remonte à il y a 6 ans. Oh, putain de ta mère. En gros, ils avaient patch le sniper, ils l'avaient rendu plus lent, le balista, le DSR. Le balista encore, c'était pas forcément entre guillemets très grave, mais ça faisait quand même chier. Mais surtout le DSR, parce que le DSR non patch, il était incroyable. Et je crois qu'ils ont dû rajouter 0,3 secondes au niveau du verrou. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est rien, ça va. Mais ça se sent tellement qui c'est différent, on va dire. Oh là là, on est arrivé à la ferme, la petite ferme. Je vais pas faire comme Flapix à faire un guide touristique, tout ça. Si vous jamais vous voulez voir un peu plus la map, entre guillemets, plus travailler tout ça, je mettrai sa vidéo dans la description, alors n'hésitez pas. Et voilà, petite pub pour toi, même si tu tomberas sûrement jamais sur cette vidéo. Dites-vous, là actuellement je suis en zombie et je possède le DSR et le BMN3R. Normalement c'est une classe multijoueur ça, mais donnez-moi des vraies armes, putain. Oh non, mais ta mère, je me suis pris une double claque. What, je peux plus ramasser la pièce. Allo, s'il vous plaît, Call of Duty, oh, Black Ops 2, s'il vous plaît. Oh non, mais sérieux. Ah oui, et derrière ces buissons là, ce champ, il y a Narderon Toten qu'on peut un peu voir là. Je n'irai pas parce que franchement, honnêtement, je vous le dis, j'ai la flemme. Mais bon, pour ceux qui savent pas, c'est un petit clin d'œil à la toute première map zombie qui est sortie du mode zombie de Call of Duty, qui est Narderon Toten.
Et hop hop hop, on ouvre ici. Qui sont... Normalement c'était censé être des toilettes. Et ben voilà, on se retrouve ici. Il faut que j'active le courant. Et pour ça il faut que je fabrique, voilà, le panneau. Attends, vas-y, je récupère la pièce. Vite, le bus il s'est barré, vite. Hop là, là j'active le courant. Oh là là, c'est beau, il y a le monstre de l'électricité. J'ai oublié son nom qui arrive. Dis-moi qu'il est pas parti. Ah ouais non, 100% il est parti. Et ouais, c'est barré cet enculé, nique sa mère, on y va à pied. Je connais absolument pas la route, c'est la merde. Et en plus, oh non, il est juste là devant en plus, enculé. En plus t'as les genres de gremlins là, je sais pas quoi. Oh, putain, tous les zombies qu'il y avait, sa mère. Non, s'il te plaît, arrête-toi, mec. T'es le bro, t'es pas le bro. Allez, s'il te plaît, quoi. Je vais pas payer, mais je payerai un prix, t'inquiète pas. Ah oui, juste ici, il y a la cabane du bûcheron. On ira peut-être après. De toute façon, je pense que je vous fais... Enfin, vous découvrez rien. Vous devez probablement déjà connaître. Putain, mais elle s'arrête jamais, cette route, là. Ça fait 10 minutes que je suis en train de marcher. Ah, elle est là. Dis-moi que c'est ici. Oui, c'est ici, putain de merde. Oh non, j'ai plus de balles d'AKU. Oh non, en plus, je peux même pas rentrer dedans. Oh non, putain, c'est mal foutu. Ah non, c'est bon, je peux passer par là. Et surtout, vous vous doutez, on est sur ville. Et oui, ville, je pense qu'il est la map préférée. On va dire de Black Ops 2 zombies hors DLC bien évidemment. Et le truc c'est que sur cette map il y a une petite particularité là dans Transit, c'est qu'il n'y a aucune putain d'arme. Et du coup là je me retrouve juste avec un sniper, c'est génial. J'adore ma putain de vie là. En tout cas j'espère que vous passez de bonnes vacances, mais pour moi c'est le cas. Et voilà, et que vu que je sais que là actuellement c'est le 31, autant je sortirai cette vidéo peut-être à 15h, peut-être à midi, je sais pas, vu que je sais qu'il y en a, ils vont fêter à Halloween le soir. Bien évidemment, ne buvez pas trop d'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous connaissez. Il y en a plein qui veulent lâcher un petit munition max là, comme ça au moins hop hop je reste ici le temps de me prendre mon petit mastodonte. Et après hop 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 on est bien. Bon, est-ce qu'on prend le bus ou on le prend pas? Attendez, on va monter dans le bus, regardez, on monte dans le bus. On tente de monter dans le bus. On n'arrive pas à monter dans ce putain de bus de merde. Tac, hop là, on achète le B23 qui est juste ici à la place du dessert. Et on ressort du bus et on attend ici le temps de pouvoir trouver de quoi avoir des munitions et mastodonte. Oh sa mère la pute, j'ai flippé, je croyais que l'oreille qu'il enregistrait pas, j'étais là en mode non, non la blague, non. Oh, j'ai plus de munitions de rien, oh là là sa mère la pute, oh non mais pourquoi moi, non. Là il y a aucune arme, j'ai rien actuellement, j'ai plus de grenades, j'ai plus de balles, bon... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, Wilter, concentre-toi. Attendez, on va prendre un téléporteur. Normalement, ça, c'est un téléporteur. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les lampadaires que l'électricité est allumée, c'est un téléporteur. Et pouf! On atterrit. Où est-ce qu'on est? Oh non, me dis pas qu'on est juste derrière la ville. Mais oui! En fait, on vient de retourner en fait derrière la ville. Génial. Ah, mais vous avez obtenu un trophée. J'obtiens un trophée en 2017 sur Black Ops économique. Ouais, c'est juste parce que j'ai pris le portail. Ok, on a la tour de Babel. Ça veut dire qu'on est pas loin de là où il y a la queue, là où il y a l'électricité. Du coup, on va aller, aller acheter des munitions et retourner à la ville. Enfin, j'espère que c'est ça, autant je me trompe. Et oui, on y est avec un gremlin sur la tête. J'adore appeler ça des gremlins. Bon, je pense qu'on va faire une dizaine de manches. Après, j'ai coupé la vidéo. Mais là, au moins, j'apprends à gérer mes munitions. Et si vous en voulez plus des zombies BO2, du zombie sur Black Ops 2, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut laisser un bon petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense, donc voilà, c'est juste en dessous et vous cliquez sur le pouce comme ça, et moi ça me fait plaisir. Waouh, les arbres comme ça, c'est tellement dans le thème d'Halloween en fait, je suis content d'avoir pris ce map. De base je comptais le faire sur ville, mais après je me suis dit, ah, Transit, voilà quoi, ville, en plus on avait déjà fait un retour, bon même si c'était il y a quelques mois, voire presque un an, je crois, je sais même plus. Voilà, je me suis dit, allez faire un petit Transit, vu que ça va faire presque 2 ans que j'avais pas fait d'idée dessus. Ces putain de gremlins de merde, là, ils sont en train vraiment de me rendre fou, là, ça fait une demi-heure que j'essaie d'aller à la putain de ville, et non, t'as toujours ces connards de gremlins de merde qui servent à rien. En plus, ils sont inutiles à part casser les couilles. Ils servent à quoi, s'il vous plaît? Et du coup, là, j'ai eu. Ah, voilà, enfin arrivé. Et on va aller s'acheter le petit mastodonte. On va faire un peu le tour de la map, tout ça. Et je pense que pour le final, on ira sur Nardeun Totem. Voilà, mon petit mastodonte. Voilà, normal, là, il y a la MP5 sur ville. Juste la map ville. Sauf que là, il y est pas, bien évidemment. Histoire de bien, bien casser les couilles aux joueurs, hein. Oh, mais qui voilà-je? Oh, mais qui voilà-je? Qui voilà-je? Qui voilà-je? Putain, enfin, cet enculé de bulle de merde, il est là. Avec toujours l'échelle qui est en train de bugger. Et on est parti. C'est parti, c'est le gris, c'est le toto. Oui, j'ai totalement copié le personnage de Mastu. Et alors, et alors? Ah oui, d'ailleurs, les lampadaires, ils font du... Enfin, ils communiquent en morse, là, avec... quand il s'éclaire, il s'éteint, il se rééclaire, tout ça, c'est du morse. Ah oui, cette grosse truc de lave, là, où je suis mort 1001 fois. J'ai tellement de bons souvenirs sur cette map, en fait. J'ai même un petit souvenir, putain, c'est des vieux potes qui me l'avaient rappelé à l'époque. Genre, bon, ça remonte quand même à 2012-2013, hein, donc vous voyez un peu le niveau. On faisait un transit tout ça avec des potes, tout ça, et je faisais que tomber du bus. À un moment, je suis tombé du bus, j'ai pété un plomb, j'ai rage-quit. Et je crois que ça a été l'un des tout premiers rage-quit de ma vie. Parce qu'à l'époque, vu que je pouvais pas jouer en illimité, je devais jouer 3 heures par jour et 1 heure à chaque fois. Genre, je fais 1 heure par exemple de 11h à midi, une autre de 15h à 16h et une autre de 20h à 21h. Et du coup, le fait de rage-quit, console, même pour moi à l'époque, ça n'existait pas. Même quand je rageais, je continue à jouer. On va aller à Nardeun Totem et on va mettre un terme à cette vidéo. Parce que ça fait combien de temps que là je suis en train de rec. Ça fait déjà 20 minutes de rec et je suis déjà en retard pour aller voir mes potes du coup. Voilà, comme ça moi j'aurais fait une petite vidéo sur Halloween.
Wolverine. Peut-être ferai un truc avec un peu plus de manches ou quoi très prochainement. Ah putain, mais ça fait tellement plaisir, c'est tellement Black Ops 2, c'est tellement mon zombie préféré. Alors avant qu'on me dise il y a Black Ops 5 qui est incroyable, il y a Black Ops 3, je sais pas quoi. C'est mon zombie préféré, j'ai pas dit le meilleur putain, je sais pas lequel je peux considérer comme le meilleur. Ce Black Ops 1, ouais, il est incroyable, ouais. Mais Black Ops 2 aussi, je le trouve génial. Il y a eu quand même 4 putains de maps DLC. Peut-être pas Transit, elle est peut-être pas forcément ouf. Mais il y a eu quand même Diriz, il y a eu Buried, il y a eu Mob of the Dead, il y a eu Buried. Buried, j'ai déjà dit. Il y a eu Origins, putain, mais c'est des maps tellement incroyables. Bon, après, sur Black Ops 1, on a eu Moon, on a eu Ascension, on a eu des trucs comme ça. Call of the Dead, mais c'est incroyable. Mais je sais pas, genre, je sais pas lequel pour moi est le meilleur. Après, Black Ops 3 aussi, il y a eu des trucs incroyables. Les arcs et compagnie. Il y a juste le système de Gobblegum que j'ai trouvé peut-être un peu trop cheaté et qui permettait de faire des manches un peu trop facilement. Parce que oui, à l'époque, avant qu'il y ait Black Ops 3, Black Ops 4 avec tous ces bails de Gobblegum, tout ça, pour faire 100 manches, 100 manches, hein, tu mettais pas genre 5 heures. Hein. Sur les maps, tu pouvais mettre jusqu'à 30 heures hein, pour vous dire à quel point c'est ouf l'évolution qu'a eu le zombie. Mais bon, on va pas dire que c'est forcément mauvais. J'ai pas, il faut pas dire que c'est forcément mal ou quoi, mais je sais pas, pour moi, le meilleur, je peux pas vraiment le qualifier. Après, Black Ops 4, j'ai pas beaucoup joué et World at War non plus. Et les 3 plus joués pour moi, c'est Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. Nous sommes bientôt arrivés à destination de Nachterun-Toten. Putain, la manière dont je l'ai dit, Nachterun-Toten. Voilà, on est bien presque arrivé. Il est où le zombie? Ça, c'est ma petite technique pour, on va dire, l'aide à la vie cheatée. Vous faites spammer L2, 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 un peu comme sur Fortnite pour les joueurs manettes. Bon, après, je sais pas si ça marche encore pour les joueurs manettes, mais bon, voilà, au moins, je sais que c'était un peu connu. J'ai pu récupérer l'échelle! Ah, mais enfin! C'est pas comme si ça faisait une demi-heure qu'on attendait ça! Non, absolument pas! Et voilà, regardez, on commence à apercevoir le petit champ. Et on arrive très prochainement à Nachterun-Toten. Et il faut sauter maintenant. Hop là. Et je me suis pris un peu le panneau dans la gueule, mais le lampadaire dans la gueule, mais bon, on dira rien. Et voilà, nous y sommes. Aïe, aïe, aïe. Non. Putain, ça me fait tellement kiffer de retourner. À chaque fois que je suis en transit, je retourne ici. À chaque putain de fois que je joue sur transit, je retourne ici. Je suis obligé en fait. Bon, voilà, attendez, on va balancer un peu tous les singes. Voilà, pop, hop. Et on va se tuer avec les zombies. Et bon, on aura fait dimanche, mais on va mettre un terme à la vidéo. Étant donné que voilà, comme je vous ai dit là actuellement, il est 15h32. J'étais censé partir de chez moi à 15h25 à peu près, même à 15h30. Allez, merci, au revoir ce monde. Oh merde, c'est vrai, j'ai... Oh non, putain, ça m'a niqué mon truc. J'avais quick revive, j'avais oublié. J'ai dit merci, au revoir ce monde. Boum, voilà, vous avez survécu dimanche. Mais quelle force, je suis beaucoup trop puissant pour ce jeu. Bon bah en tout cas j'espère vraiment que ce petit retour zombie sur Call of Duty Black Ops 2 vous l'a plu. Moi en tout cas j'ai kiffé. Je pense que je ferai un peu plus de Black Ops à l'avenir. C'est ce que je dis à chaque fois mais je le fais pas. Mais là j'ai vraiment kiffé ce retour. Donc voilà, dans les prochains jours, semaines, mois, peut-être qu'il y aura un peu plus de Call of Duty old school. Ne vous en faites pas pour ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner si c'est pas encore fait. Je remercie toutes les personnes qui font ça. Moi je vais laisser, c'était Wilter, c'était un petit retour spécial Halloween. Passez un bon Halloween, bonne soirée d'Halloween. Ne buvez pas trop, c'est pas bien. Voilà, vous connaissez la chanson. Et puis voilà, moi je vous laisse, c'était Wilter. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, à la prochaine. Et puis, bye. See me flying, never drop down, smoking high in my